Un petit F5 peut-être que ça impose parce que je sais pas ce qui se passait, ça a bugué. Voilà voilà. Bon bah écoutez, soyez les bienvenus les amis, on est parti pour un petit stream tranquillement de midi. Voilà, on est. Vous avez envie. Donc on est parti, on va aller farmer, donc si vous voulez discuter ou quoi que ce soit, soyez les bienvenus. On va baisser un peu la musique. Voilà, dites-moi si c'est trop fort. On est parti, on change de scène, voilà voilà. Ça a changé. On va voir ça, on va voir ça. Voilà, 4 c'est très bien. Puis on va laisser comme ça. Je sais pas pourquoi ça a bougé. Donc du coup, on va aller faire un peu de quête, les amis. Je vais un follow hors stream, tiens. Donc j'ai pris la quête d'eau et on va aller en eau du coup. On va fermer encore l'adventurine et faire un peu de flux comme ça. Et on prend tout de suite l'idée du world. Waouh, il y a du monde. Ah bah c'est exactement ce que je voulais faire. Par contre, tu te démerdes. Moi je me casse. Oula, ça lag bien là. Ça a mis du temps à charger, dis donc. On va essayer de garder le monde le plus longtemps possible parce que je tiens pas à continuer comme ça très longtemps moi. Hello Marshall, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bon bah c'est quand tu veux, tu fais sortir Coccinelle quand tu veux. Allez! Plus vite que ça. Putain. Bah écoute, moi ça va tranquille là, tranquille, tranquille. J'ai envie de streamer un petit peu pour me divertir et en même temps farmer un peu le flux et les boîtes d'eau, étant donné que c'est toujours ce que j'ai le moins en général. On va essayer de se mettre en avance sur les boîtes d'eau, même si c'est pas la journée des boîtes, tu vois ce que je veux dire. Toujours ça de prix. Puis on fait toujours de l'adventurine. Il faut pas oublier qu'il faut essayer de se mettre à 60 000 pour la mage, donc. Faut mieux en profiter pendant que j'ai le patron, hein. On va pas... J'ai remis le patron de 2 semaines, c'est pas pour tourner les pouces. Même si j'utilise pas des masses non plus. Hein. Grosso merdo, je joue plus qu'à peu près 4 heures par jour au jeu actuellement. Voilà, c'est déjà pas mal, mais. Ça vaut pas les bonnes journées de forme que je faisais à l'époque. Hein. On en est loin. Donc soyez la bienvenue les amis, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore follow, ça fait toujours plaisir. Ça va, la musique est pas trop forte. On va mettre les boîtes en bas comme on fait d'habitude. Hop. Ces boîtes là,
me suis loué, je l'ai mis en bas. Ben. Je les mets là et je vais les mettre là. Putain. Même mon inventaire il bug, il doit. Un poil fort, mais ça va pas, il faut le dire. Voilà. Ah, je sais pourquoi. Les paramètres, ils ont bougé. Pourquoi? Voilà. Et là, je peux monter le son. Comme c'était avant. Voilà, et le micro devrait être mieux maintenant. Je sais pas pourquoi les paramètres ils ont bougé. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Au moins, tu m'as permis de corriger ça très rapidement. Et hop, on va chercher la quête à nouveau. Chez les Thaïlandais. Bim bim. LB3, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Désolé, j'étais dans des paramétrages de OBS. Puisque ça tout chamboulé, je sais pas pourquoi. Donc là, du coup, ça devrait être bon. Parce que j'ai toujours été à moins 16 dB en audio Windows et tout ça. Et à microphone à 100 au niveau du microphone. Et là, c'était à moins 11 et moins 8, je sais pas pourquoi. J'ai dû faire une connerie quand j'étais bourré la fois dernière. Voilà. En tout cas, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore volo, ça fait toujours plaisir. Ouais, d'accord, j'ai fait une roulade et je suis revenu sur l'arbre où j'étais. Pas mal. Bon, il est midi, vous allez entendre certainement les cloches au fond. Sting, sting, sting. Allez, sortez, bande de chauves-souris. Ouais, plus que un mois jour pour jour avant la mage. Ça va être énorme. Mais bon, ils ont changé pas mal de choses qui vont rendre le jeu beaucoup plus simple pour le Geode. Hein. Franchement, ils ont casualisé pas mal de choses. Malheureusement. Solide les lags en tout cas, ouais. Ouais, voilà, j'ai pas mal de lags moi. Faut que je vais essayer de garder le. Je vais essayer de garder le world le plus longtemps possible pour essayer de plus laguer au bout d'un moment. Là, le fait qu'il est midi, bon, les gens qui veulent faire le challenge, ils ont dû partir puisque là je suis en monde dos donc ça, ils peuvent pas faire le challenge. Donc on a déjà dû perdre quelques personnes sur le world. Mais bon, comme je disais, hein, le serveur PTS est sur la même machine que le serveur live, donc il suffit qu'il y a du monde là-bas et que ça lag là-bas, ça fait laguer ici. Après, la machine fonctionnera toujours plus là où les besoins sont plus sollicités. Donc si le live, il y a plus de personnes qui essaient qu'ici, qu'il y a plus de gens et que la mémoire est sollicitée sur le live, bah on lagera moins que sur le PTS. Et vice versa. Donc là, ça voudrait dire qu'il y a pas mal de monde sur le PTS. Mais aussi peut-être sur le live du coup.
Après, c'est très compliqué de savoir exactement ce qui se passe derrière, hein. C'est pas. Merde, j'ai plus de quête. J'ai plus de quête. J'ai plus de quéquette. Donc si jamais vous cherchez les quêtes de club comme ça, il y a l'eau et l'air chez les Thaïlandais là. Il y a le portail au club. Il était là l'autre. Non, il est où l'autre boss? Ah, il est là-bas, merde. Bon, je lag un peu moins, ça se sent. En tout cas, j'ai calculé que si je faisais à peu près 2000 aventurines par jour, bah le jour où de la mage, j'aurais quasiment ce qu'il faut, enfin, à peu chose près là, ce qu'il faut pour faire le prochain dragon en aventurine. Donc, je n'ai pas besoin de me forcer, juste 2000 par jour. Et je peux m'en sortir. En tout cas, j'espère que vous passez un bon week-end les gars, j'espère que ça va bien. Moi, le week-end commence à partir seulement de ce soir, voilà. Attention, ça va péter. Ah bah non, j'ai cru. Alors, qu'est-ce qu'il raconte de beau, Albéfouille, depuis tout ce temps là? Ça fait un petit moment que je t'ai pas vu parmi nous. Qu'est-ce qui se passe? T'as repris tes activités? Bon, je dis pas que le stream durera longtemps, hein, pas comme d'habitude du moins. Stellar, oui. D'ailleurs, les Stellar sera combien là? On va regarder le prix des Stellar Soul. Parce qu'il faut les vendre avant la mage. Après la mage, ça va tomber la chemise. Ouais. Ok, ça va 4100 l'unité. Donc on peut s'amuser peut-être à les vendre à l'unité. J'en ai 102. Donc si je les mets à 4000, on va voir en combien de temps ça part. Parce que 4000 par 4000, ça peut être sympa. Après, c'est un marché qui est très très instable. Hein. Dès que tu vas commencer à descendre des prix, directement ça va. Les gens vont suivre. Salut Mamadulal, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Tu passes un bon week-end. Sois le bienvenu. Je suis sorti de l'hôpital hier et toi?
Bah j'ai sorti mon zboob hier, mais sinon c'est tout, voilà. Bah si t'es sorti, c'est que ça va mieux maintenant. Allez, profite de ton week-end, profite du soleil, si tu peux, parce que peut-être que t'as des béquilles ou je ne sais quoi. Moi, fauteuil roulant, encore pire. Mais bon, c'est que si tu peux sortir de l'hôpital, c'est que ça va mieux, en général. Ils te laissent pas sortir de l'hôpital si t'es sur le point de mourir, hein. Oh putain, je suis fatigué. Non, je suis pas en train de jouir, je suis en train de bâiller, hein. Ce qui est chiant dans ce biome de l'eau, c'est que t'as beaucoup, beaucoup quand même de... Comment ça s'appelle? Le cursed. Bon, les Stellar Soul partent à 4000, donc on peut peut-être en mettre un peu plus. On va essayer de les mettre par deux, on va voir ce que ça donne. Ça ira deux fois plus vite si je les mets par deux. Sinon, qu'est-ce que tu racontes de beau, maman du LOL? Pendant que je suis en train de mettre mes Stellar Soul là, hop. De toute façon, il nous manque encore. Merde, qu'est-ce que je fais? Il nous manque encore 3 millions de flux. Et après, on sera bien. Toute façon, là, on va normalement atteindre les 1 million. On va devoir faire les 100 méga tanks. Je sais que j'ai pas commencé mon stream à l'heure du dîner, mais bon. Du dîner. Du déjeuner. Putain, le dîner, c'est le soir. Putain, quel bouffon. Je suis con. Moi, quand je mange, c'est ni à dîner, ni à déjeuner, c'est un goûter. Je mange à l'heure du goûter, moi. Je sais pas quoi raconter, il y a rien par qu'ils m'ont drogué avant l'anesthésie générale. Ils t'ont drogué. C'est pour mieux te violer, ça, t'inquiète. J'espère que t'as rien senti. Yo Mike, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que tu passes un bon week-end. Merde, c'était plus bas. Hé, je me suis fait voir. Bon, ça va, même si j'étais à la coloscopie et la vibroscopie. Fibro. Parce que vibro. J'ai une vision d'un seul coup dans ma tête là. Mettre un truc qui tremble comme ça dans ton. Oula. The fuck. Il s'est passé des choses d'anormal. T'es sur le PTS? Non, je suis pas sur le PTS. Je suis pas souvent sur le PTS, hein. Ça sert à rien de se tuer sur le PTS, ça sert à rien. J'ai vu ce que ça a donné, j'ai pas besoin d'y retourner avant la sortie dans un mois. Bon, les Stellar Soul partent par deux apparemment. Peut-être en remettre par un, comme ça. Il y a énormément de Russes en ce moment sur le serveur, c'est un truc de dingue.
Il y a une vague de Russes depuis qu'ils ont 1000 Russes disponibles, quoi, c'est hallucinant. Et que ça maintenant. En même temps, quand tu vois la Russie, c'est énorme. C'est un peu normal qu'ils soient un peu partout. Pourquoi tu voudrais que je sois sur le PTS D'accord. Je prends mes loot et je crash. Bon, faut pas que j'oublie de prendre l'idée du wall parce que sinon je l'aurais plus. On va continuer à vendre, hein, pardon. Ça marche. Merde, je vais y mettre à 7000. On va essayer par 8. Non, 8 ça va être trop. 6 peut-être. On va essayer un pack de 6. Bon, on est dedans. J'ai que ma classe gemme maintenant il faut les 10k. Bah oui. Je vais me mettre la commande, John World, hop, voilà. Ben courage, une fois que t'as 10k après ça va un peu plus vite. Et après quand t'arrives vers 18-19k là ça commence à de nouveau refreiner mais d'un coup sec. Et après c'est galère pour aller jusqu'à 25k. En tout cas, si vous venez d'arriver, les amis, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore à follow, ça fait toujours plaisir. En tout cas, il y a plein de gens qui achètent des Star Soul. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec des Star Soul maintenant, puisque. Après la mage, on va pouvoir les crafter grâce au Radiant Soul. D'ailleurs, j'ai pas trop vu c'était dans quelle table de craft. Il va falloir que j'aille voir. En tout cas, on se fait de l'argent assez rapidement comme ça, du coup. Tant que ça marche, on va en remettre tout de suite. Parce que des fois, on peut rester pas mal de temps sans qu'elle parte. Alors là, on va en profiter. Je trouve que 4000, c'est encore un bon prix, malgré tout. Après, vu le nombre que je peux me faire en une journée, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Dans l'établi DST. Ah d'accord, j'ai pas fait gaffe. D'accord, merci Marshall. Ça a rien à faire là-bas, personnellement. Hein. C'est un peu con, mais bon.
Mais bon, étant donné qu'il me reste plus que 3 millions à faire, j'ai 1 million sur moi, donc il me reste plus que 2 millions à faire du coup. Et après, ça sera tout bénef. Enfin, tout bénef. On sera revenu à l'état initial avant héros, au niveau du flouz. Salut Sifor, comment vas-tu? J'espère que tu passes un bon week-end, j'espère que tu vas bien. Et sois le bienvenu. J'applaudis pour toi. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'applaudir. En tout cas, je vois que le système pour les clubites, les gens bah, le respectent. Vous le faites aisément, sans problème. Donc il y a des gens hein, qui partent chaque semaine parce qu'ils sont inactifs tout simplement. C'est pas très grave, hein, mais le système fonctionne, donc voilà. Je suis content qu'enfin les rouages du club fonctionnent sans crier gare. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, tout le monde met ce qu'il faut. Il y a un tableau, donc pas besoin de venir me voir. Vous allez sur la page internet et vous avez le tableau du club. Voilà. Donc si vous n'avez pas le Google Sheet du club pour savoir si vous avez donné ou pas, bah demandez-le moi en privé, je vous le donnerai. Ah mais les mecs, arrêtez de faire des trucs pareils. Vous pouvez les mettre à 4000 même par pack de 2, 4, 6, ça part. Pourquoi vous les descendez autant? Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, ils sont stupides, les gens, ils sont stupides, hein. Il est en bas ou... En bas. Mais il est là. En tout cas, si vous venez d'arriver, les amis, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore follow. On est parti pour, je sais pas, petite heure, une heure et demie, je sais pas, on verra bien. Là, franchement, il n'y a pas de conduite, il n'y a rien. On est parti à l'arrache, on verra combien de temps on reste. Se faire 8000 flux par 8000 flux, c'est plutôt cool quand même, non? Je sais pas, moi je trouve ça cool. Donc on se fait de l'adventurine toujours. Même si on n'en a pas vraiment besoin. C'est quelque chose qui me permet de me motiver moi, donc du coup je... Donc du coup c'est pas plus mal leur système qu'ils ont mis parce que... Il est beaucoup plus cool que les Pirate Farm, hein, déjà. Pirate Farm c'était énervant, stressant et... Et laborieux, alors que là, bah, c'est quelque chose de simple et accessible à tous. Voilà. Go stream cuisine. Bah, ça risque pas d'arriver. Si ça vient arriver, c'est dans 3 heures. C'est pas maintenant. Je mange pas dans avant au moins 3-4 heures. Là. Donc, le stream cuisine, ça risque pas d'arriver. On va casser un peu les objets que j'ai sur moi parce que je vais être plein sinon. Ça y est, les 4 ils sont partis, tu vois, même par 4 ça part. Et hop, je m'en refais 4. Il y en a 4 qui repartent et il y en a 4 qui rentrent. Que faire de plus? On va y arriver très vite à nos 3 millions hein, comme ça. D'ailleurs, on va crafter les mégatanks, comme ça je touche pas au flux. Ah, c'est une technique, hein. Si vous savez pas garder vos flux, faites des mégatanks. Hein. Ça vous dissuade un petit peu de les casser. Hein. Enfin, du coup, moi ça marche. Bon, ça lag déjà moins, voire carrément plus.
Donc je suis assez content. Merci la coquille bug. Ah. C'est des choses qui arrivent. Hein. Donc je tiens à signaler que tous les lundis je mettrai des vidéos avec Aurélien pour la présentation de la nouvelle mage. Donc lundi soir il y aura une petite vidéo avec Aurélien et moi-même par la suite. Et ça sera tous les lundis jusqu'à la mage. Comme ça tous ceux qui auraient aimé connaître les ficelles du métier, ben voilà. Non, mais je veux descendre. Putain, mais tous les stellars, je les pète là, parce que c'est que des stellars nuls qui me donnent. Je te jure, les stellars 3 étoiles, 4 étoiles, ça n'existe plus, quoi. En plus que le maximum de Magic Fang après la match, ce sera 5559. Et le dimanche 5959, mais t'imagines bientôt 6000 quoi, c'est n'importe quoi. Mais bon, peut-être qu'il faudrait être dans les 4 à 5000 pour avoir de l'astral, hein. Que l'astral est prévu, hein, c'est je sais pas pour quand, mais c'est prévu. Hein. Donc, ça sera sûrement peut-être pour le U10 et plus pour voir. Mais le U10, je pense qu'il faudra les modules de géode pour pouvoir y aller. Il y a forte chance, hein. Ça laisse vraiment à croire qu'il faudra les modules. Hein. C'est pour ça qu'il faudra la bûcher cette mage aussi, parce que sinon vous ne pourrez pas aller en U10. Hein. J'ai réussi à vendre encore des Stellar Soul, bim bim, voilà. 6 ça va pas, 6 ils veulent pas les gens. C'est bizarre hein, 2 ça part. Un ça part. Mais si ils veulent pas. On fait quoi? On les vend tous. Et on en refait. De toute façon quand il y aura la mage, là je peux m'en faire 300 il me semble. Hein. Des tests, on verra bien. Et on va essayer de tout vendre, puis ça fera le flux qu'on aura besoin pour tout ça. Donc si je dis pas de bêtises, il me manque bien 2 millions. Ouais, c'est ça, il me manque que 2 millions. Ce qui est correct. C'est même pas un dixième de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Vu à la fréquence que j'ai Stellar, il y a encore un là, donc copy-call. Comment ça copy-call? J'ai pas compris, copy-call quoi? Il y a Stellar là-haut. Qui vient de tomber. Ouf. Putain, mais tu vois, c'est des Stellar que je peux péter instant. Quand tu vois qu'il n'y a pas d'étoiles comme ça, t'en as rien à foutre. Yo Gabi, yo, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Donc vous ne verrez pas faire de dragon hein, pour la main, je tiens à les faire hors stream. C'est vraiment pas sur ça que je vais vont se focaliser mes streams après la mage. Bah écoute, ça va, merci.
J'avais envie de streamer un petit peu aujourd'hui, donc voilà, chose que j'ai lancée il y a 35 minutes maintenant. On essaye de se faire de l'argent comme on peut ce matin. Les stars sont plus ou moins corrects. Regarde-moi ces cons là! Putain, ils sont vraiment. J'ai envie de les taper. Moi, je répare mon top, vu qu'il voulait plus trop se lancer. Ah! Par 1, ça part bien, les Stellar Souls. J'allais le mettre à 1000. Ah là, je crois qu'il y en a un de vous qui aurait couru sur le marché pour l'acheter, je pense. Hein. Ça se faire 3000 de bénéf, c'est plutôt cool quand même. Ça m'est déjà arrivé de faire des bêtises comme ça, de me tromper d'un zéro et tout. Ça dégue, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est les risques. C'est les risques du métier, Jackie. En tout cas, cette mage va donner du boulot au modeur. Parce que bon, déjà, le modeur. De l'interface là, le Advanced UI, il va devoir retravailler tout son mode. Mais du coup, c'est pas mal si on arrive à avoir le cooldown en numérique sur l'interface de Geode. Ça va être nickel. Ça va être nickel. Parce que c'est bien de savoir quand même en secondes combien il te reste de secondes avant de lancer ton ulti ou ce genre de choses. Étant donné que les cooldowns peuvent être très longs avec les modules du Geode, ça peut être très 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 utile. On va voir qui est encore dans mon monde. Bah, je suis tout seul, voilà, j'ai un monde à moi tout seul. Ça, c'est nickel. J'ai rien à craindre quand t'as un monde à toi tout seul, c'est splendide. On les finit vite les quêtes. Hein. Malgré que c'est pas le jour des boîtes, je trouve qu'on finit les quêtes vachement vite. Hein. Et on se fait de l'aventurine. Youpi! Pour le futur dragon, aventurine d'ailleurs. Hein. Il y aura le Bugtron et je sais plus comment il s'appelle le nouveau là, mais. Il y en aura deux! Bon, il est où le boss? Ah, il est là. Salut Diabolo2906, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, tu passes un bon week-end. Allez, on se fait encore du fric. On en a vendu deux fois, nice. Allez, on en remet. On en remet. Mais par deux, ça a l'air de partir par deux. Plus. Ah mais si vous achetez au moment où moi je les mets, on s'en sort pas là les gens. Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien, je passe un bon week-end comme tu peux voir, donc c'est cool. On essaye de se faire l'argent avant Geode, donc on va essayer d'atteindre les 50 millions. Non, 2. Regarde tout à l'heure, faut que je te parle. Si tu veux. Je suis
Puis-je savoir de à quoi ça concerne quoi, comme ça je fais s'il y a si c'est urgent ou pas, parce que là. Pas envie de me prendre la tête aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. On en fait des quêtes. Hein. Je sais pas comment on en a fait depuis 30 minutes, mais. D'accord. C'est pas des radiants que je veux. Les radiants de Soul, je vais les garder. Te conseiller un truc. Je suis pas sûr que je puisse conseiller quoi que ce soit sur ton PC. Le ventilateur fait trop de bruit, bah faut l'ouvrir, le débrancher, le passer à un coup d'aspi. Mais s'il commence à faire vraiment du bruit, c'est qu'il est usé par le temps parce qu'il a eu beaucoup de poussière. Comme moi dans mon ancienne tour, bah, si tu veux, j'ai pas trop changé, j'ai pas trop nettoyé tout ça. Au bout d'un moment, il était encombré de poussière, donc du coup ça l'a déformé. Et une fois que je l'ai nettoyé, bah, si tu veux, vu qu'il était déformé, il a commencé à faire des claquements. Et les claquements bah, sont devenus de plus en plus forts et voilà. Donc du coup, nettoyer souvent son PC, c'est la seule chose que t'as à faire. Putain, mais on peut plus de remettre les anciens clips. Là. Je sais pas comment me mettre là, j'ai un peu mal au dos en plus. J'heureux sur le stream, j'entends des claquements de plus en plus fort. L'ortie. Ouais mais ça c'est peut-être pas les claquements de tes ventilos, ça c'est peut-être le cul de ta mère sur la bite de ton père. On part du principe qu'il n'est pas décédé, que tout va bien. Et non, je serais pas mal à l'aise parce que j'ai fait une blague sur tes. C'est pas pour autant que je vais être mal à l'aise, tu sais. Blanc. D'accord. Si tu veux, Gold. Si tu veux. Alors, les Stellars, j'en suis où? J'en suis où? Bon, on va en remettre 4, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ça part. On va les faire ces 2 millions qui me manquent, on va les faire. En tout cas, Gold, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes un bon week-end. Faudrait que j'ouvre un peu de boîte rouge aussi, un de ces 4 là. Que là ça commence à faire. Tiens, on va en ouvrir par 10.
Ça fait du flux. Bon bah rien là-dedans. Rien là-dedans. Tu vois que je vais finir par avoir un ali ou pas? Mes dragons, j'ai du boulot. Eh bah, tu m'étonnes, ouais, tu... c'est sûr. Étant donné qu'il y en a 4 qui arrivent là, et ça sera encore du boulot aussi. Ça, même si c'est plus pour moi, ça va être plus captivant et motivant. Les nouveaux, la nouvelle manière d'avoir le dragon, peut-être qu'il faudra 100 fragments, mais étant donné que ça tombe beaucoup plus, ah, c'est captivant et motivant pour continuer. Je sais pas, je vois ça comme ça, moi. Ouais, on va essayer de. On va essayer d'avoir une monture, hein. Je sais pas où et comment. On va essayer de faire 10 par 10 à chaque fois dans les packs comme ça. Pour essayer d'avoir une monture. Ah bah voilà, on l'a eu. On l'a eu, on arrête de les ouvrir, on l'a. On a eu la Green Manta Ray. La Green Manta. 35 000. Bah on l'a mis à 32 000. 32 000, allez hop, c'est parti. Ouvrez-les tous. Non, je les garde pour les semaines des boîtes ouvertes. Et sinon, j'en garde toujours un seul exemplaire pour que à chaque fois ça se remette dessus. Pour pas que ça prenne de la place à chaque fois en plein milieu de mon inventaire. Bon allez, on va aller faire ce gros donjon. Même si je pense qu'il va falloir que j'aille chercher la quête avant de le finir. Vite partir avant que mon truc il tue. Il y avait un boss là-bas, il faut pas qu'il le tue. Que je vais prendre la quête avant. Oh bah c'est que du forme ça les amis, hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Après si tu t'y mets, tu peux à partir du moment où tu formes, tu peux que avancer et avoir du flux, hein. Après si t'es dépensier chronique, bon ça c'est pas mon problème, mais il me fait chier ce machin là. Pourquoi tu lèches le meuble là? Chelou mon cher là. Il est chelou. Je te jure, il est chelou. C'est un meuble en fait où il y avait un adhésif dessus. Pour le recouvrir, pour changer le style du truc. Sauf que bah là, il était vieux et tout, je l'ai enlevé. J'en avais acheté du nouveau, sauf que sur une des portes, bah j'en avais plus. Et bah c'est resté un bandeau comme ça, donc du coup, bah il y avait encore la colle. Et donc du coup... Putain, mais c'est pas possible! Et donc du coup, il lâche la colle, mais c'est pas bon pour lui, ça. Non, pas besoin de me regarder comme ça. Et donc du coup, ben, y a une porte de ce meuble qui n'est pas recouvert par de l'adhésif du coup. Et désolé, si j'ai un gris un bouffon dans vos oreilles, veuillez m'excuser. C'est juste que de le voir lécher un truc tout dégueulasse rempli de poils et de saleté du coup, vu que ça, ben, c'est de la colle. Hein. J'ai beau à le frotter, ça resservit à chaque fois. Ben, le chat là, il lèche comme un con. Bah des fois je lui parle moi mon chat, hein, y a pas de... Tu peux peut-être me trouver con parce que je parle à un animal mais...
Donc ça y est, les stellars ne se vendront plus apparemment. C'est qu'il y a des cons qui ont mis leur stellar. Attention. Voilà. Voilà. Voilà les cons. Ouais, rien que pour faire chier, je les achète. Voilà. Je sais pas combien j'en ai acheté, je crois 4 ou 5. Pourquoi tu mets à 700 flux de moins? Je mets à 100 flux de moins. Faut pas déconner. Les mecs, ils perdent 300 flux sur chaque pack qu'ils mettent. Donc 300 plus 300 plus 300 plus 300, bah c'est énorme à la fin. Bon, si je vois qu'ils recommencent, je le referai pas parce que c'est un coup à faire des transactions à perte, ça. C'est tellement instable, les Stellar Souls, maintenant que faut faire gaffe à ce que tu fais avec, quoi. Arrête, t'aimes bien les poils. Bah oui, sinon j'aimerais pas l'Homo sapiens sapiens, si tu vois ce que je veux dire. Merde, j'ai pas pris la quête. Putain, je suis tout ça depuis tout à l'heure sans la quête. Et y'a personne qui va me dire, hey, t'as pas pris la quête, hein? Ça va être à tes risques et périls cette porte là, je vais mettre pas de la javel mais quelque chose qui pue dessus comme si tu le lècheras plus le truc. Et là j'ai peut-être fait une connerie en rachetant les stellars. Hein. Bon, y a pas l'air pour le moment, y a pas l'air. Bon, y a un élite au-dessus. Pardon, veuillez m'excuser. Les mecs, ils les achètent un par un alors qu'il y a des packs de deux. Je comprends pas. Regardez, il a pris tout mais un Stellar. Je pige pas. Le mec, il en avait besoin de 3, il les a pris quasiment dans l'instant, donc à moins que le mec, il fait comme moi, il les a rachetés pour espérer que j'en mets plus derrière, mais bon. Le problème, c'est qu'il m'en reste encore 30. Le mec, il va s'amuser longtemps, hein. Il va falloir ce qu'il faut voir ce que je peux crafter aussi. Je crois que je peux crafter 1000 Shadow Cache. Je crois qu'il va falloir que je vende des Shadow Cache. Parce que ça, j'en ai plus du tout l'utilité. Donc là, si vous venez d'arriver les amis, soyez les bienvenus, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore à follow, ça fait toujours plaisir. Peut-être que je ferai un giveaway d'ici une bonne vingtaine de minutes les amis, si vous êtes encore là. Donc restez attentifs. T'as pas de cœur de ténèbres, ça se vend de KU.
Peut-être. Si, des Heart of Darkness, j'en ai mis 100, je vais dire 1000. J'en ai 100. Je garde toujours un minimum en fait. Je garde toujours un minimum dans chaque ressource. Là, normalement, j'aurais dû garder mes 100 stellars, Soul. Mais sauf que bah, j'ai décidé de les vendre là. Pour le bien de la science. Voilà. Ah bah oui, je les ai, hein. Si je vends des ressources et tout, je les ai, les 2 millions là, hein. Je sais très bien. Faut juste que je vende tout, quoi. Mais bon, il me reste encore un mois pour faire 2 millions, donc la limite, en tant qu'à garder ce que j'ai, et farmer encore des Star Soul et vendre les Star Soul pendant un mois. Il va falloir alors que je rachète aussi des crédits push, je pense. Ouais, ils sont chers. Là, franchement, je me suis déjà fait au moins 500 000 flux depuis que j'ai commencé le stream en vendant ce que j'avais. Donc, je suis pas du tout inquiet pour les 2 millions. Dans le biome de fée, il y a peut-être moins de cursettes dans le biome fée. Parce que c'est bien beau le biome médiéval, mais qu'est-ce qui est chiant en cursède. Mais on va pleurer avec cette musique. Il va falloir que je casse aussi mes objets là. Je suis bientôt plein. Merde, chou. Putain, il m'a propulsé. J'étais direct sur le boss. Bon, tu coules ou tu coules pas. C'est des phrases cultes, ça. Voilà, pour récupérer encore 3 stéar. Soul, bim. Yo, Pacalou, comment vas-tu? J'espère que t'as bien dormi. Ah ouais, peut-être pas 60 millions non plus, hein. Faut pas déconner. Il y a forte chance que dès qu'il y aura la main, j'achèterai des Wing of Pegasus pour éviter de dépenser des Divinity d'Espolite pour pouvoir crafter le dragon. Il y a forte chance. Bah après oui, ça sera 60, après 70, à chaque fois que je vais dépasser de toute façon du quota initial et que j'utiliserai pas trop l'argent, ce sera pour aller au seuil au-dessus. Évidemment. Le mec il s'appelle Galaxy A8 quand même. Hein.
Il n'avait pas d'autre solution, le mec. Il était devant sa tablette, là, sa tablette A8. Il fait A. Non, le A8, c'est un téléphone ou une tablette? Je sais jamais, moi. Donc là, il y a encore un boss là-dedans, mais où est-il? Ah, il est là-bas. Oh merde! Là, je m'y attendais pas. Mes ailes, c'est les Dark Wing Pegasus. On chope dans les Dark Chaos Vault dans le contest. Mais elles sont échangeables, donc du coup, tu peux les acheter. Et sinon, c'est. Ces quêtes. Comment on prononce ces quêtes? Ces quêtes. Bonjour à toi, j'espère que tu passes un bon week-end et que tu vas bien. Voilà. D'accord, il y a quelqu'un qui en a mis une à 30 000. Merci pour ton follow, Siket. Pourquoi il s'est fait bannir lui? Ah, il a mis un lien, d'accord. Ah non, il a mis majuscule, trop de majuscules, d'accord. J'ai cru qu'il avait mis un lien, mais non, il est trop. Faut pas gueuler sur mon chat, sinon le bot il aime pas ça. Donc t'as été banni une minute, ça c'est pas trop long. Je vais me battre avec ton bot, bah vas-y. Je crois que tu vas perdre. Voilà. C'était un petit moment, je lave les carreaux, voilà. Je comprends rien quand tu parles. Tu m'as l'air très excité, je comprends rien quand tu parles. Sont pas mal, c'est pour ça que j'ai mis sur ce perso. C'est l'une de mes perles préférées. De mes perles préférées, pas des perles préférées. Hein. Parlant de perles, j'en ai quasiment plus. J'en avais plus de 100, j'en ai plus que 8. Et ouais, j'ai fini le badge des 20 KPR. Ça m'a tout niqué les perles. Mais j'aurais pas à refaire le badge donc. Quelque part. Je suis bien content. Pour les 25 KPR, je sais pas comment on fera. On verra bien.
Une chenille! Il n'y a pas beaucoup de donjons là. Regarde-moi tout ce biome et me dit qu'il y a de, bah, que c'est du Feywild. Bah non, c'est de la flotte. C'est ça que j'aime pas avec leur, leur truc là. Putain. En tout cas, si vous venez d'arriver, les amis, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore follow, ça fait toujours plaisir. D'ici 5-10 minutes, je lancerai peut-être un giveaway pour ceux qui sont là. Donc faites-moi savoir si vous êtes là, si vous êtes chaud pour un petit Dreamer Dream Code. Et je vous lancerai un Dreamer Dream Code 3 si il y a suffisamment de personnes pour participer. Ah, j'ai une perle, tu vois, je parle de perle, j'ai une perle. C'est pas magnifique ça? En tout cas, on se fait très très rapidement du flux en vendant ce qu'on a sur nous. Ah mais on peut loot des perles dans la nature comme ça, je savais pas. Les perles tu voulais looter soit sur les coffres, soit sur les mobs, soit dans les coachers. Donc le dernier bâtiment level 10 du club te permet d'en avoir un peu plus. La possibilité d'avoir un peu plus de perles. Après c'est que de l'aléatoire encore une fois mais... Donc le fait d'avoir un club niveau 10 et en payant bien sûr le bâtiment adéquat, bah te permet de choper un peu plus de... Il est 13h. Ah, moi, il y a des journées où j'en ai chopé une dizaine. Et il y a des jours où t'en chopes absolument pas, donc faut pas chercher. Hop, un petit stellar. Putain, mais c'est que des stellars non étoilés quoi. Excusez-moi, je vais aller aux toilettes. Donc si vous entendez encore parler mais que vous ne me voyez pas, c'est que je ne suis pas là. Je suis dans une autre pièce. Donc à tout de suite. Au revoir. Donc profitez-en pour follow. Si les gens n'avaient pas encore follow, on va lancer un giveaway dès mon retour. Donc il faudra être follow pour pouvoir participer. Donc soyez les bienvenus, n'hésitez pas à discuter, à poser des questions, même encore follow, ça fait toujours plaisir. Je reviens d'ici quelques instants. Je suis en train de... chier. Voilà. Je plaisante, hein. Je suis en train de faire juste un petit pipi.
Et bien sûr, à chaque fois que vous allez au cabinet, qu'est-ce qu'il faut faire? Se laver les mains, c'est primordial pour l'hygiène. Voilà, allez, on snap les petites mains, les petits rties. J'arrive, j'arrive, les amis, me voici, me voilà. Je suis de retour en chair et en os. Ah, bah, dis donc. Apporte combien de MF? On a du stellar à peu près de, on va dire 1000, 1600. 1600, tu peux déjà commencer à en faire tomber. Après, plus t'en auras, plus ça sera plus souvent, mais c'est pas une question de ça, puisque même avec 50, 70, 200, tu peux en faire tomber. C'est vraiment avec de la chance. Donc, c'est quoi la commande que tu as faite pour tes payback instant? Bonjour Kaiser, peut-être Kaiser, pardon, bonjour à toi, sois le bienvenu. Et la commande, c'est juste Johnny World. J'ai l'idée du world que j'ai récupéré avec la commande Get World ID. Et après, bah, tu te re-TP sur le world directement. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est des commandes qu'on peut trouver en jeu, il me semble. Si tu fais slash help, je crois qu'elles doivent y être les commandes. Mais sinon, c'est Get World ID pour récupérer l'idée du world où tu es. Et après, bah, tu fais du slash John World, espace, copier-coller, et tu retourneras à chaque fois dans le même monde. Mais attention, si tu es tout seul sur le monde, comme là, je le suis, si je mets trop de temps, par exemple, à venir chercher la quête, à me vider ou à faire des choses, je perds le monde. Donc faut faire attention. Merci pour ton follow, Nathan, ça fait plaisir. Il est 13h donc du coup j'ai les récompenses. J'avais pas vu. Est-ce que j'ai vendu le quand j'étais au cabinet? Non, j'ai rien vendu le temps que j'étais au cabinet. Allez, j'avais dit que je lançais un système de giveaway, je vais le lancer, c'est parti. Hop. Donc comme d'habitude, fouette, follow les amis et marquez point d'exclamation. Dream. Et voilà, et je fais le tirage. Bon, il est quelle heure? À 20, voilà. À 13h20, je fais le tirage du Dreamer Dream Code 3. Donc point d'exclamation Dream. Fouette, follow, sinon vous ne pourrez pas gagner les amis. Donc je le cache sur OBS pour que je puisse continuer à jouer pendant 15 minutes. Et je le remets tout à l'heure. Salut colonel sauce barbecue. Yo yo yo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus. Un petit code, yes. Ça fait plaisir. Étant donné que j'en ai claqué récemment des code chests, donc quand je récupère, je suis plutôt heureux. Étant donné que la semaine prochaine, il y aura une monture. Cette semaine, c'est la semaine des méga corps, donc c'est pas très utile d'en ouvrir cette semaine. Première personne à bien prononcer ton nom. Bah excuse-moi, moi je lis et je dis ce que je vois. Donc il nous reste combien d'aventurines à faire pour cette petite mise à jour? On va regarder ça.
Non, j'en suis à 25 000. 200 000 de 225 000, mais bon, je prends que les 25 000. Il me reste encore du coup 35 000 à faire pour faire le prochain dragon en aventurine. C'est plutôt easy. Donc je tiens à rappeler, point d'exclamation Dream, il faut être follow les amis pour pouvoir participer, pour gagner un Dreamer Dream Code 3, pour gagner un petit Ali qui sera dedans avec le code quoi. Donc après il me faut minimum 2 participants, s'il n'y a pas de participants, j'annule le tirage malheureusement. Mais je pense que ça doit être bon, il y a 3 participants là pour le moment, donc c'est suffisant. Merde, je fais des conneries. Ah, je me sens ballonné en ce moment, c'est un truc de dingue. Enfin, il refait chaud comme ça, mes intestins ils aiment pas du tout. Ma digestion elle est foireuse. En soi, la chaleur ça me dérange pas plus que ça, mais le bide il aime pas ça. J'ai 192 coach. Mais bon, je pense que je ferai qu'un seul karma à chaque fois et qu'après j'irai la crafter, la mount. Parce que niquer tous mes coach chaque semaine pour après que la semaine d'après il y a encore une nouvelle monture. Bof quoi. Bon, normalement demain on peut prendre le deuxième Ali en token, les amis. Le deuxième Ali. Enfin, le deuxième truc qui a 19 tokens. Donc j'espère pour vous que vous avez gardé vos tokens, les petites pièces jaunes que vous avez gagnées une fois par jour là. Faut les garder. C'est du mastery gratuit, donc le mieux c'est de tout garder. S'il vous plaît, je joue SH, 18 500 PR, et comment je pourrais faire pour pouvoir être invité en DOTM Ultra? À être à 20K. Ah. C'est très difficile de se faire inviter en dessous de 20K dans des Ultras, dans tous les cas. Et même à Vaca, je peux te dire, tu fais pas grand chose. C'est pas vraiment le PR qui compte, parce que tu peux avoir beaucoup de PR et être full vie. Ce qui compte, c'est vraiment c'est le coefficient. Bon, moi j'ai mis un mode qui me permet directement de voir le coefficient dans mes stats, qui est ici. Donc là, j'ai 5,201 000 de coefficient. Donc j'ai 5 200 000 avec le Lunar. C'est pour ça que je joue one shot tout, je lance, garde, tu vois, je lance le... Allez, frappe-le. Non, il le frappe pas, voilà, tu vois, je sors le beamer, et c'est le beamer qui fait tout le travail, moi je fais plus rien. Le beamer fait la totalité des dégâts sur l'ennemi. Donc en une œuvre, je fais quasiment plus rien, j'ai plus rien à faire. Donc c'est vraiment ça que les gens recherchent en fait, c'est le coefficient de dégâts en fait. Le PR, ça veut absolument rien dire. Un blédard, j'ai eu un petit blédard. Un Bidding of Darkness. Il y a encore 8 minutes. 1 million, ouais, c'est un peu juste. C'est vraiment juste. Bon, moi, sur cette classe, j'ai un boost d'attaque. Donc, du coup, ton équivalent de que tu devrais avoir par rapport à mon niveau, tu devrais être dans les 2. 3 millions sûr. 3 millions sûr. Si t'as un SH avec 3 millions, tu commences à bien taper quoi. Là, t'as juste un SH. Ah, si t'as le mode qui te permet d'avoir le coef. Ouais, t'as 1 million de coef là. Je suis à 5,2, t'as 1,1. 1 million 1. Voilà, si ça peut te permettre d'avoir une sorte de barème. Ah, il faut privilégier principalement l'attaque, hein. Le SH ne doit pas, c'est un perso DPS, il ne doit pas avoir de vie. Donc c'est vraiment focaliser les gemmes DPS, hein. Physique, criticalité, critical damage. Pas beaucoup de criticalité parce que le SH il a un bonus de criticalité.
mais très vite être à 100% de criticalité et me mettre à fond après en critical damage. Et tu verras, tu montreras très vite à. Non. À 18K, tu devrais déjà fight facilement à 2 millions si tu aurais bien fait ton équilibre. Je suis quasiment sûr que les 3 quarts de tes gemmes sont obsolètes. Ou pas montées. C'est soit l'un, soit l'autre, mais. Après, il faut savoir que tous les persos se jouent quasiment en DPS maintenant, donc il n'y a plus vraiment le tank. Même moi là, je joue en full DPS, tu vois, donc. Et encore, je suis à 5 millions 2 avec ce perso, avec aucune gemme à 100%. Je pense que je peux quasiment monter à 5-8 avec toutes mes gemmes à 100% avec ce perso. Après, le Candy Barbarian peut monter aussi très haut dans le sens où il a un bonus de dégâts aussi. Oui, mais le fait d'avoir des gemmes level 20, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, si tu veux, si tu connais pas le système des gemmes, c'est que déjà il faut qu'elles soient en full DPS, donc physical, critical damage et critical hit, comme j'ai dit. Mais après, au niveau 5, 10, 15, elles vont faire un maxi proc dans une des stats. Il faut surtout pas qu'il y ait un maxi proc dans le critical hit déjà. Parce que si t'as du critical hit sur toutes tes gemmes, t'arrives facilement à du 100% sans problème. Il faut principalement avoir des doubles proc et un proc sur les gemmes, donc 1 et 2, mais pas sur le critical hit. Donc c'est soit le physical, soit le critical. Mais pas le critical hit, surtout pas. Et une fois que t'auras des gemmes plus ou moins équilibrées comme ça, là déjà tu verras que tes stats sont. T'auras tout le temps le même PR, hein, c'est ça le truc. Et par exemple, je sais pas si mon lunar il est équilibré. Il me semble qu'il est équilibré. Ouais, mon lunar il est équilibré. Regarde, je vais aller dans la table de gemmes. Tu verras pas forcément grand chose puisque c'est un peu au niveau du floutage. Je vais enlever le floutage et le temps que je te montre. Floutage. Hop, voilà, ça, c'est plus flouté. Tu vois, les deux petites boules là, c'est double proc et un proc. Donc celle-là, la double proc sur physical, celle-là, double proc sur physical, et double proc sur critical. Mais en aucun cas, c'est dur sur criticalite. Les petites, pareil. Et il existe un équilibre à avoir. Pour vraiment être full DPS, l'équilibre à avoir, je l'ai toujours là sur mon petit calepin, c'est 15. Proc, donc 15 petites boules dans la stat, donc magical ou physical. 15 et 12 dans le critical damage. Et une fois que tu seras à 15 boules dans physical et 12 boules en critical. 15 boules en physical et 12 boules en critical damage et pas critical hit, là tu seras bon. Tu vas commencer à faire des putains de dégâts. Déjà, tu seras très loin de tes 1 million, tu seras beaucoup plus haut. Mais il faut que tu prennes des gemmes et que tu les montes jusqu'au niveau 15, puisqu'après le niveau 15, il n'y a plus de super proc. Donc il faut que tu regardes où va la boule à chaque palier, donc 5, 10, 15. Et il faut surtout pas sur le critical hit, parce qu'il va falloir que tu la modifies sinon. Enfin voilà, c'est déjà ce que j'avais déjà expliqué auparavant, et qui sont assez simples à comprendre, mais il y a un équilibre à avoir. Il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. Qu'ils ont trouvé l'équilibre. Et encore, après, il y a encore pire comme équilibre. Hein. Il est préférable d'avoir que les grosses gemmes avec du triple proc sur le critical damage. Donc toujours avoir cet équilibre de 12 et 15, mais le critical damage principalement sur les grosses. Donc essayer d'avoir ta classe gemme avec triple proc sur la même stat. Bon, après, si tu peux reroll la stat, c'est pas très grave. Mais bon, sur les petites, il faudrait éviter. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les petites... tu les chopes assez vite, donc ce serait dommage de niquer tes items de reroll comme ça pour des petites. Donc il est préférable quand même de le faire sur les grosses. Tu peux te permettre d'en faire peut-être une ou deux, mais de là à tout refaire tes gemmes, non. Il est préférable d'aller refarmer, quoi. Merde, j'ai plus de quête. Et faut pas croire que tu montes des gemmes comme ça, tu montes en PR et automatiquement t'es un PGM. Non, derrière, c'est un putain de jeu derrière, hein. Il y a de l'ambition, des tactiques et des façons de faire, c'est pas je monte des gemmes parce que la gemme me donne du PR, point barre. Tout le monde est quasiment ne jure que par le PR, mais le PR c'est rien.
Moi, je peux te dire qu'il y a très peu de gens qui... Il y a peut-être des gens qui sont à 24 000 PR sur leur Lunar, hein, mon perso, mais qui sont loin, très loin des 5 millions de DPS, tu vois. Bah, tu peux la garder dans le sens où tu dois faire ton calcul 15, 12. T'as 27 procs, t'as 25 petites bulles. Tu regardes, tu calcules, tu prends un bout de papier, tu dis alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et si tu commences à voir que t'es à 13 ou 14 critical damage, il faut que t'en perdes. Il faut que tu switches avec d'autres. Ça doit faire 15 et 12. C'est à toi de voir. Mais elle peut être utile. Par exemple, là, celle-ci, là, de mon Luna, celle-ci, là, elle a triple proc en physical parce que c'est ce qui me manquait. Il me manquait 3 et j'avais plus qu'un seul emplacement. Donc, je n'avais pas le choix que de trouver une gemme avec 3 procs sur la même stat. Ce qui est assez difficile en soi, hein. Oula, tous mes. Tous mes stéars sous le parc. C'est cool ça. Allez hop, on va mettre le reste. Hein. Bon, allez les amis, il reste une minute. On va lancer le giveaway. Donc je te conseille d'ailleurs d'avoir de la defying, hein. La defying est très très utile. Hein. Là moi je l'utilise pas avec ce perso parce que j'ai une grosse gemme qui me permet d'avoir un peu plus de résistance qui est la Cubid Curtain qui est ici en bleu. Donc qui me permet d'avoir un petit bouclier en plus. Et qui me permet de voir arriver la mort, on va dire ça comme ça. Mais tu vois je suis qu'à 300 000 de vie. Si tu sais vraiment gérer ton perso, la potion t'arrives à la faire partir quoi. Mais en général, avec autant de DPS, le mob a pas le temps de faire quoi que ce soit. Allez hop, on va remettre le giveaway. Hop. Allez, c'est parti et que le meilleur gagne. Il y a 5 participants pour un Dreamer Dream Code 3. C'est parti. Et le gagnant est le gagnant, le gagnant, le gagnant, le gagnant, le gagnant, et. Oh mama, mama, mama. Mama du LOL, GG. GG à toi, mama du LOL. Bon, je vois que t'es là, je vais pas faire l'attente. Je te l'envoie rapidement. Hop. Allez, j'en lance immédiatement un deuxième, les amis. Immédiatement. Hop, je le vire en mama du lol. Bim, tu sautes et c'est reparti. Et que le meilleur gagne. Et le gagnant est. Colonel Sauce Barbecue! GG à toi! Voilà, GG à toi, je vous envoie les codes. GG à vous! GG. Voilà, c'est parti mon kiki, vous avez les codes. C'est parti. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui au niveau des Dreamer Code. On va continuer un petit peu à farmer. C'est bon, j'ai la quête.
Salut Po 73-60, comment vas-tu? Le mec il arrive, il se fend la poire. MDR. Putain, mais je glisse. Il met de la glace partout ce con. Mais non. Waouh, je crois que j'ai un petit like quand même. Je pense. Je pense que j'ai un petit like quand même. Un petit stellar, qu'est-ce que c'est? Non. Et j'ai que des stellars nuls. Bah écoute, ça va, merci, ça va. On ferme tranquillement. Yo Melio, comment vas-tu? Ça va, j'espère que vous allez bien, en tout cas vous passez un bon week-end, tout ça, tout ça. C'est ça, hop. Bim, on récupère Castellar Soul du coup. Ah, te plains pas toi? Non, je me plains pas dans le sens où j'en ai pas. Ça, au contraire, je sais que ça me fait du flux instant. Je me plains dans le sens où je peux en avoir 50 et c'est 50 sans étoile. C'est dans ça que je me plains. Parce que des fois, on me demande si j'ai pas du stuff, mais malgré que je loot énormément de trucs, ils sont pas de très bonne qualité, malheureusement. Comment on fait pour mettre plus de 9999 glim? Si je dis pas de bêtises, attends, on va voir ça. Il me semble qu'il faut que tu ouvres ton inventaire, ton coffre. Attends, je vais retourner à une maison, elle était où la maison que j'avais trouvé tout à l'heure? Ouais, attends, il y en a une là. Ah oui, le mieux que tu sais, c'est moi j'ai du shadow. Bah, moi aussi, hein, il y a une période où je veux que du shadow. Bon, c'est une petite astuce, hein. Normalement, t'as pas le droit de mettre plus que 9999, mais je crois que si tu fais ça, tu vois ce que je veux dire? Tu ouvres ton inventaire, tu fais ça. Et je pense que si tu fais ça. Non. Tu fais clic droit. Ah, il faut faire un clic droit, tu vois. Tu ouvres ton inventaire ou comme si tu voulais les poser là. Et après tu fais ça. Tu cliques droit et automatiquement ça met tout, tu vois. Ça a pas l'air de marcher. C'est peut-être beaucoup trop là, 149 000. Je sais plus, il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça, je sais plus. Moi je le fais jamais, mais je sais pas comment faire. Ah, j'ai 8 proc dégâts critiques. Ah bah tu vois, déjà tes dégâts critiques. Attends là. Dégâts critiques c'est. Coup critique. Ah non, 3 proc coup critique. Bah tes 3 proc coup critique ça doit virer. Tes 3 PV max ça doit virer. Donc, jus taquin, il est bien. Bah, il est bien. Il est cool. C'est un petit Ali, quoi. Merde. J'ai 4 alliés avec les streams et les ailes. Ah, bah, du coup. Cool ça. Mais bon, il y en a pas mal maintenant, hein. Les Dream Code 1, 2 et 3. Donc, il y a une 52 Ali, une paire d'ailes et une monture à voir quand même avec les codes. Donc, faut plutôt participer au giveaway en général quand il y a des Dreamer Code. Hein. Si vous voulez les petits Ali. On peut modifier le train ou tu.
Bah, c'est ce que je t'ai expliqué, sur les petites ça serait vraiment cher, parce qu'il faut des Lunar Souls quand même, donc ça coûte cher. Après tu peux en avoir dans les Lustrous Box le mercredi, quand tu joues le mercredi tu fais tomber des Lustrous Box et tu peux en avoir dedans. Mais ça coûte quand même assez cher, donc si tu as beaucoup de gemmes on va dire à changer, ça va être énorme. En fait tu changes pas comme ça, il faut intervertir les stats. Par exemple admettons que tu as double proc sur du max HP et tu le voudrais sur le physical, bah tu dois faire partir le physical de ta gemme déjà de 1 et ensuite remplacer le maximum heal par le physical et ensuite récupérer la troisième stat que tu veux sur la troisième stat. Donc du coup il en faut énormément des trucs de reroll. Donc le mieux c'est de refermer les petites gemmes. Les petites gemmes faut refermer. Donc à la limite les grosses gemmes, si t'as du double proc, un proc ou triple proc, c'est cool. Après tu rerolls comme tu veux. Mais les petites, c'est mieux d'aller les rechoper. Et de les monter jusqu'au niveau 15 pour voir là où elles proc, mais c'est tout. Je suis qu'à 8K de PR. Ah, c'est pas mal 8K. C'est un bon début. C'est pas zéro. Faut arrêter de se plaindre là. Merde, j'ai plus de quête. Blablabla. Alors, retourne chez les Taïwanais pour prendre la quête. Bah ouais, mais c'est très cher du coup. Si tout est relatif à partir du moment où tu formes, c'est pas très cher. Et monte-les le mercredi, tes gemmes. Ça coûte moins 20% en gem dust. Le mercredi, plus si t'as le bonus du club, c'est 40%. Puisque le club te permet aussi de réduire le coût. Ouais, j'avais déjà fait ce donjon. Pourquoi j'ai été là? Ah oui, c'est à cause de ça. J'ai jamais dit que c'était pas cher, hein. De toute façon, pour avoir un bon perso, quand tu vois que moi j'ai dû, pour faire le badge de 5, 20 KP1, j'ai dû niquer plus de 60 perles que j'avais en réserve, c'est pas pour rien. Ah, je sais, colonel, mais moi aussi j'ai commencé au tout début où il n'y avait pas de PR, il n'y avait rien, il y avait que les runes à chercher dans les coffres et tout ça. Ça remonte à loin tout ça. Une abeille! Miam 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 miam. Je veux pas du radiant. Ça donne moins de flux. Le bon vieux temps, tu m'étonnes. Ah, mais le jeu l'est pas mal maintenant. Geode va apporter vraiment un nouveau visage, je trouve, Geode. En fait, c'est basé autour d'un métier hein, qui est l'exploration, donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est pas du tout ce que j'aime dans un jeu, mais le fait que c'est Trove qui le propose, j'ai apprécié. Mais j'irai. Tu me demandes d'aller dans un jeu à part entière où il faut faire de l'exploration, genre. Limite de la survie telle qu'un Minecraft ou autre, j'irai pas parce que je sais pas, le jeu me plaît pas. Sauf que là, bah, Trove, c'est qu'une partie du jeu, c'est pas la totalité du jeu. Donc, effectivement, on risque d'y passer pas mal de temps avec la mage, mais après, on n'aura plus forcément besoin d'y aller avant qu'ils remettent du contenu ou je sais pas, et puis voilà. C'est qu'une phase en fait du jeu. En tout cas, si vous venez d'arriver, les amis, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à discuter, à poser des questions ou même encore un follow, ça fait toujours plaisir. T'es prêt à danser, l'ortie? Pourquoi tu me demandes ça? Pas besoin d'être prêt pour danser, faut juste avoir envie. Ça dépend, c'est quel type de danse. Est-ce qu'il faut que je fasse mes échauffements? Faut que je fasse quelque chose? Voilà, c'est bon. C'est tout? T'as que ça?
Allez, on danse, mon cochon. Hey, musique là! Putain. Et alors, il a fait un petit message flash. Elle est pas mal cette musique, j'aimerais bien l'avoir, s'il te plaît. J'ai bien aimé. C'est un peu une musique de pirate là. Et pour te dire, mon style d'art, on même pas d'étoiles sauf une. Ah, ouais. Mais c'est pas ce qui coûte le plus cher, colonel, hein. Maintenant, les 4 étoiles, je les vends que 20K. Hein. Si t'arrives à te faire du flux, tu peux très rapidement avoir du 3 étoiles, 4 étoiles sur toi. Ça se vend quasiment plus rien. Pour ça que je te dis que j'aurais aimé avoir du 3 étoiles et tout, parce que là, du rien du tout, je le vends même plus, quoi. Y'a personne qui veut ça. Je peux le vendre à des nouveaux, mais même pour les nouveaux, il est préférable d'avoir directement du bon stuff, quoi. Ah bah moi, je danse le temps de la musique, hein, je danse... Voilà, je vais pas danser encore ensuite alors que j'ai plus la musique. Putain, là, j'ai eu du 4 étoiles, mais en radiant. C'est n'importe quoi. Ah bah, il faut jouer, hein, faut former, hein. Oh, un dragon. Bonjour. Voilà, 5 fragments. Youpi! Bon bah je l'écouterai en dehors du stream hein, pour éviter que ça, je sois strike au niveau des droits d'auteur. Parce qu'après vu que cette vidéo ira sur YouTube, je l'écouterai hors stream malheureusement. Faut farmer, mais bon moi j'ai les cours. Bah moi aussi j'ai des activités. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois vraiment que je joue 24 heures sur 24 ou quoi? Je gère juste mon temps, c'est tout. Moi, si je saurais que le jeu me donne envie et que je serais encore à la période des cours, j'essaierais de faire mes devoirs si j'ai de la permanence, comme vous appelez maintenant. Enfin, un trou d'horaire. Ou dès que je rentre, je fais mes devoirs, voire même pour les 2 à 3 jours qui suivent, si j'en ai pour les 2 à 3 jours qui suivent. Et seulement après, je commence à jouer. Et après, bah, j'essaye de rentabiliser mon temps libre. Mais je pense que vous avez beaucoup moins d'horaires que si quelqu'un qui travaille, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui travaille il a beaucoup moins de temps, plus que ça, quoi, encore. Enfin voilà, je veux dire, à partir du moment où... je veux dire, c'est pas une excuse de dire que tu vis. C'est très bien de vivre le fait que t'as les cours, t'as quelque chose, tu vis. Tu ne peux pas mettre ça comme excuse. Ça voudrait dire que tu ne t'aimerais ne pas vivre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, des fois, j'aimerais ne pas jouer autant, tu vois ce que je veux dire? J'aimerais faire d'autres choses, limite partir, voyager... Tu vois, c'est qu'un jeu, hein, faut pas... Donc faut pas être désolé ou déçu de pas pouvoir jouer autant, c'est qu'un passe-temps, c'est qu'un jeu, un jour ou l'autre le serveur va fermer et on n'en parlera plus. Et on sera là sur des vieux souvenirs, ah là là tu te souviens d'eux, machin d'eux. Mais voilà, ça reste que des souvenirs, mais est-ce que ça va être tes meilleurs souvenirs de ta vie? Ça serait malheureux. Ça serait malheureux si les jeux soient les meilleurs souvenirs de ta vie. Non, mais ça va, mais j'ai juste un choix difficile à faire là. Bah, on a tous des choix difficiles à faire. Moi, la première fois où j'ai dit oui à la sodomie, c'était un choix difficile. J'ai une gemme, je la vois avec deux procs alors qu'elle est au niveau 20, c'est normal. C'est que t'as monté une gemme qui était une étoile de base. Donc, ouais, ça, c'est un truc que je t'ai pas dit aussi. Il est préférable d'avoir des gemmes de 2 étoiles de base. Sinon, tu vas te retrouver dans ce cas de figure avec des étoiles en moins. Donc elle est pourrie celle-là, tu peux être sûr et certain que celle-là elle aura moins de PR qu'une 2 étoiles de base. Et je sais pas pourquoi tu as monté autant, hein. T'as perdu vraiment ton temps à les monter autant. Je veux dire, y a rien qui explique de toute façon pour les gemmes, donc
Bah, j'ai fait aussi quelques erreurs comme ça. Des fois, je me rends compte que j'ai qu'un seul proc sur une gemme. Je fais, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Mais très vite, j'ai appris à garder que les 2 étoiles. Moi, quand j'ouvre des boîtes, maintenant, si elle n'est pas 2 étoiles de base et avec un PR minimum, je jette. Oui, fin, je vais au paintball avec des potes entre nous. Soit il y a des gars qu'on connaît pas avec de plus gros calibres qui vont nous foutre des hématomes. Déjà, ce genre de conflit, moi j'aime pas du tout. J'aime pas tout ce qui est paintball ou même airsoft, j'aime pas ça. Même si c'est de la reproduction et que c'est très cool, hein, je peux dire. Mais le fait que c'est tiré sur quelqu'un, pour moi c'est comme du PVP dans les jeux. Je n'aime pas ça. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre en face et que je dois me battre contre quelqu'un, je déteste ça. Donc en plus, en sachant que c'est pour avoir des bleus, est-ce que ce sera de bons souvenirs d'avoir mal? À toi de voir. Le fait d'avoir eu des hématomes par le passé ont fait de bons souvenirs pour toi. C'est là elle est là l'énigme. Est-ce que ça te dérange pas d'avoir des hématomes si c'est pour avoir des bons souvenirs? Et pas seulement, après c'est pour avoir gardé des contacts humains avec tes amis, tes amis proches. Parce que le fait d'être sur le PC, après, ça c'est un double tranchant. Tu es pris pour un ermite à la limite, hein, tu vois, t'es pour un gars non sociable qui. Donc il faut gérer tout son temps, comme ça, son temps de jeu sur le PC avec son temps de jeu bah là sur le paintball. Faut gérer parce que. Mais tu es le seul à pouvoir prendre la décision, moi je peux pas choisir pour toi. Bah si pour toi t'amuser c'est avoir des hématomes et avoir mal, avec des bons potes et que ça délire, ok. Mais c'est pas. C'est toi. Moi, avoir ce genre de délire là et d'avoir des hématomes, dès que tu vas me dire que je peux avoir des bleus, laisse tomber. Ami ou pas ami, non merci. Je suis pas là pour être défiguré ou avoir des hématomes qui peuvent avoir des conséquences pour plus tard et tout ça. Là, vous êtes jeune donc vous en profitez, mais moi, par exemple, il y a plus de 20 ans, je m'étais cassé la gueule dans les escaliers. À l'heure actuelle, aujourd'hui. À l'époque, c'était un petit hématome de merde. Mais aujourd'hui, maintenant, bah, à chaque fois qu'il fait un peu humide ou quoi que ce soit, là où j'ai eu cet hématome, bah, j'ai mal. Donc, en sachant toutes ces conséquences, on va dire, à long terme, bah, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère passer un bon apéro, un bon barbecue, ou ce genre de choses, avec des potes, plutôt que d'aller m'esquinter le dos, le corps, enfin. J'aime pas les choses qui peuvent, comment dire, qui peuvent être. En fait, si tu veux, moi je pense au long terme, tu vois. Mais chacun a ses loisirs. Je veux pas dire que moi, parce que moi j'aime pas, tu devrais pas. Je sais même pas pourquoi je te parle de ça. Y a que toi qui dois savoir ce que tu veux faire avec tes potes. Hein. Moi, passer un bon moment avec mes potes à l'époque, c'est quand je faisais des partouzes. Voilà. Ça a rien à voir avec le paintball, mais. Bon. Même si on visait chacun son tour, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mais ça a rien à voir. Bah, je vois pas où le problème, Mamadou LOL. Une partouze, si c'est consenti et que tout le monde est d'accord, et tout le monde prend son pied. Enfin, je suis pas majeur. Tu crois vraiment que j'ai fait ma première partouze tant que j'étais majeur? Mais bien sûr. Mais voilà. Tu me parles de paintball, de sortie de machin. Moi, j'étais pas du tout dans le même délire. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était que cette partie-là. Et au moins, en fait, je cherchais vraiment que le côté plaisir. Alors que dans le paintball, il y a le côté plaisir qui est d'être avec tes potes, avoir des bons délires. Mais
À côté, tu peux avoir très mal. Et ça, avoir mal, je j'aime pas, en général. À moins de 15 ans, t'as fait une partouze. Non, c'était un an et demi après. Bon, ça va. Mais c'était pas la meilleure, hein, je te rassure, c'était pas la meilleure que j'ai faite. J'ai pas de mauvais souvenirs comme de bons souvenirs, c'était une expérience comme une autre, puis voilà. Mais voilà, c'était juste pour te dire que toi, t'as tes centres d'intérêt qui sont très légitimes, hein, qui est du paintball, c'est très reconnu, il y a même des tournois, tout ça. Alors qu'au niveau des partouzes, il n'y a pas vraiment de tournoi. Donc on a chacun ses centres d'intérêt. Et puis il n'y avait pas autant de consoles, moi à l'époque, il n'y avait pas de consoles comme ça à tout bout de champ. Il n'y avait pas la Xbox, il n'y avait pas tout ça. Hein. Donc quand nous on sortait, c'était pour soit jouer au ballon vite fait, soit pour se retrouver à la plage, je sais pas moi, des trucs que. Donc si tu peux profiter de tout ça, vas-y, vas-y, vas-y. Bah ça serait marrant un tournoi de partouze en espérant que que ça tourne pas tout le temps sur la même personne parce que je te dis pas après ses orifices. Même si l'avantage d'être dans une partouze c'est que les orifices sont un peu tous pris du coup. Mais bon, il y a toujours des gens qui désirent pas avoir l'orifice bouché, si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, voilà. Donc c'est pas vraiment un dilemme, hein. Je vois pas il est où le dilemme. Parce que si ton dilemme c'est d'être chez toi sur le PC ou d'être avec des potes. Arrête, tu me fais bander. Tu es sérieux là? Ah ben dis donc, il bande bien vite lui, hein. Non mais. Enfin voilà, d'ici quelques minutes je vais arrêter les amis. Ça fera 2 heures que je suis en stream. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon stream. Ah merde, j'ai pas remis de Stellar Soul. Merde, fais chier. On va se poser 2 minutes là. On va mettre le reste. Maurice 22. Merde, non, c'est pas ça, c'est 4 et. On va peut-être en garder un petit peu des Stellar Souls sur soi quand même, on sait jamais si on en a besoin pour faire des anneaux ou ce genre de choses, même si j'en fais pas énormément et pas souvent. Même si je pense que d'ici demain je récupère les 100 Stellar Souls. Ouais, je me fais à peu près 60 à 70 Stellar à la journée, donc si je joue toute une après-midi. Des fois je peux en avoir énormément, comme des fois. Bah, peut en avoir moins, mais c'est à peu près une moyenne 70. 70, si tu préfères. Bah. GG pour les level up les amis.
Bon, on est à quoi? Alors, on est à 400 000. Bon, il nous reste plus que quasiment plus qu'un million et demi à trouver, puis on aura fini notre plus ou moins notre objectif à être à 50 millions. Après, ce sera tout bénef après. Je suis pas très haut. Bah en même temps, j'ai reset il y a peu de temps. Et j'ai désactivé la perte d'XP avec l'inactivité. Parce que bon, il y a des gens qui se plaignaient d'avoir passé 6 fois, 7 fois le même level. Bah oui. Si tu parles et que d'un seul coup tu parles plus, bah tu commences à perdre de l'XP et automatiquement tu perds ton level. Donc les gens, ils ont commencé à râler. Oui, c'est bizarre, ça fait 20 fois que je passe le même level. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, la saison 5 de Trove, ma saison 5 commencera le 27 juin sur Geode. Donc soyez là, je sais pas encore si c'est du matin ou de l'après-midi, j'espère que ce sera d'après-midi. Mais bon, on fera comme on peut. Bah oui, c'est qu'un level, hein. Y a rien d'extraordinaire là-dessus. Hein. C'est comme la taille de la bite, on s'en fout. Eh, hey, t'as rien de me lancer des trucs toi là? Putain, moi j'y crois pas. Ah, si tu peux rien faire avec, c'est un peu con. Bah non. Pourquoi ça serait con? Je pense que si la taille n'est pas adéquate, je pense que les envies suivent. Je veux dire que t'as pas forcément souvent envie, quoi. Je crois que c'est proportionnel. Bon, c'est un peu con ce que je suis en train de dire, parce que je suis en train de dire que le mec qui a 40 cm de sgeg aurait envie quasiment instant tout le temps. Non, je sais pas. Je sais pas. Il a qu'à se faire rallonger le pénis, voilà le monsieur. Ça se fait, il me semble, en plus, ce genre d'opération. Truc de ouf. Moi, perso, je le ferais pas. Hein. J'aurais trop peur que finalement ça rétrécisse plutôt que ça grandisse. Hein. De toute façon, de ce côté-là, je suis pas à plaindre. J'ai un joli membre. Je sais qu'il parle du level. Mais laisse-moi croire qu'il parlait de la bite. Oh! Putain, Aurélien qui casse mon délire. Et tiens, tu casses mon délire, moi je m'en vais. Alors, on finit sur ce donjon. Bon bah écoutez, ce fut un plaisir les amis, j'espère que ce stream vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, j'ai pas encore de date, hein, mis à part le 27 juin pour ma part. Donc moi je vous dis à bientôt, c'était l'organe sur Trove, je vous laisse avec avec le crédit comme d'habitude. Ça devrait arriver d'ici peu. Voilà, voilà. Donc voilà, moi je vous laisse, c'était l'organe sur Trove pour un petit stream de 2 heures du coup. C'était pas prévu aussi long. Donc je vous dis à bientôt. Peace.